Alors les principales mesures, c'est évidemment les règles de distanciation, le port du masque, hein, donc à l'arrivée et quasiment toute la journée. Le lavage fréquent des mains, il y a du gel hydroalcoolique qui est mis à disposition dans toutes les salles de classe, à l'accueil évidemment le matin. Le fait que l'enseignant soit comme l'élève, du coup, les élèves l'ont très bien appris aussi d'être masqués, nous aussi. Voilà, au bout de quelques heures, on oublie, en fait, on oublie très facilement ce masque. Et, voilà. Après, le fait d'avoir des petits groupes, ça permet de se rendre compte un petit peu plus de là où ils en sont rendus. On le fait plus souvent que d'habitude, c'est tout ce qui est poignet, tout ce que les professeurs utilisent. Et au niveau des élèves, donc à chaque passage d'élèves, on nettoie la chaise et le bureau. On leur met tous sur le plateau. Comme ça, ça leur évite de toucher quoi que ce soit. Il y a un plat qui est mis, c'est que pour eux. Et puis l'eau, c'est pour éviter qu'ils se déplacent également. Ça fait du bien de revoir les copains, les copines et reprendre les cours. Faire les cours à la maison, c'est un peu plus compliqué. Donc d'être à l'école, ça me fait plaisir.